Eh bien, salut tout le monde, c'est Faredge. On se retrouve aujourd'hui vers la route, vers la région de Fordrasil, pour retourner au pays, pour voir un petit peu ce qu'il advient des ruines de chez nous, pour voir si je peux pas récupérer l'armure du chevalier. Hein, ce serait sympa, n'est-ce pas? Hein? Moi, c'est mon grand espoir de cet endroit. Faut que la map pourra charger. Bon, on va la laisser charger, voilà. C'est mon grand espoir de cet endroit. On pourra aller à Octogonia aussi, éventuellement. Je me rappelle plus trop ce qu'il y a là-bas, mais on pourra aller voir. Mais là, très sincèrement, bon, déjà la première fois qu'on y est allé dans les ruines de Fondrasil, c'était vachement sympa comme moment. Donc là, ça devrait l'être tout autant, et avec un petit biniou, un petit biou-biou. Et ça devrait l'être tout autant, et peut-être qu'on va récupérer encore un perso. Moi, je verrais bien Eric, mais je sais pas pourquoi. Alors. Donc vous voyez que j'ai quelques PM en moins parce que j'ai farm du mob autour de l'auberge. Il y avait des trolls, je les ai tués parce que chaque troll, enfin chaque combat contre les trolls, ça rapportait 3000 d'XP. Donc c'était toujours intéressant. Et il n'y en a pas tant que ça qui ont pris des niveaux. Je crois que Sylvando en a pris un, Hendrik en a pris un, et voilà au final. Mais ça reste sympa quand même malgré tout. Allez, zou! Allez, tu te calmes, toi. Tiens, on va essayer ça. Kill! Ah, dommage. Faut que je vous montre un truc. J'ai essayé. Ah, dommage. Ah, dommage. Si mon perso entre en état hypertonique, il faut que je vous montre le combo Sylvando-Faredge. C'est à l'image de la troupe de Sylvando. Faut que je vous montre ça. J'ai vu ça en off. C'était juste. Voilà quoi. Bon, ceci dit, Sylvando, c'est bien. Si tu prends un niveau, très bien. Je vais juste faire le combat pour voir s'il n'y a pas moyen de mettre mon perso en hypertonique parce que ça vaut clairement le coup quoi. Ouais, mets-toi en colère si tu veux, mais mets mon perso en hypertonique, ce serait encore mieux en fait. Non? Tu veux pas? Bon. Pas pour l'instant, mais c'est pas grave, ça viendra. Tu vas faire un super glace sur les affreux longs. Bon, ce sera pas pour ce combat, mais c'est pas grave. Alors, les mobs commencent quand même à rapporter pas mal d'XP, hein, mine de rien. Si je trouve un autre dragon, peut-être, on va voir. Un autre gros dragon, ce serait sympa. Un gros dragon. Non, pas de gros dragon. Non, a priori. Ah, si, là. Allez, ce serait bien que mon perso entre en hypertonique. Je puisse vous montrer ce léger détail. Allez, on se calme. Sylvando fait une attaque normale. Toujours pas. Toujours pas, mais ça ne saurait tarder, je pense. Et en plus, je prends un niveau, c'est super. Et Hendrik aussi, super. Et en plus, 23 points de compétence. J'allais mettre oui. J'allais dire, il y a moyen juste de faire quelque chose, là, je pense. Alors, Hendrik, voyons. Qu'est-ce qu'il a comme truc, lui? Épée, bouclier, hache, épée longue, héroïne. Épée longue, il faut combien, là? 25. Coup d'épée brutale pour faire beaucoup de dégâts. Bon, ben, on va attendre encore au prochain niveau. Ok.
Bon ben alors écoutez, c'est pas grave, avec un peu de chance, les persos entreront en hypertonique pour un éventuel combat de boss qu'il y aura par là. Et j'ai vu d'autres dragons. C'est bien qu'on puisse voir les ennemis alors qu'on est quand même en dehors de la zone. Ah, avec là toujours la petite musique triste. Est-ce que c'est encore. On considère que c'est encore plus ravagé qu'avant? Est-ce que ces dragons sont l'évolution des dragons que j'ai tués avant? On sait pas. Mais en tout cas, ils ont l'air bien balèzes. Et qui dit monstre balèze dit forcément beaucoup d'XP! Et d'ailleurs, mon perso est en train de rattraper son retard petit à petit par rapport aux autres, hein, mine de rien. Retard de niveau, hein, je parle. Ah, toujours pas! Super Alec. Il est bien résistant, dis donc, ce lézard suzerain. Ouais, il est bien résistant. J'ai pas eu le temps de dire, j'ai pas vu de quoi ça le protégeait. Attaque magique, j'imagine. Ah bah non, c'était attaque physique. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Ce sera attaque magique dans ce cas. Ouais, super beau, galé. Bang, bang. Voilà. Pas mal ces ennemis. Pas mal du tout. Et 2800 le lézard. Ah ouais. Toi, donne-moi ton XP. À 2800 le lézard, je peux vous dire que ouais, on va les faire les combats. Hein. En plus, ils sont assez classe ces mobs. Bon, apparemment, mon perso ne veut toujours pas entrer en hypertonique. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait qu'il ne le fasse pas. Hein. Aïe. Du coup, là, t'es ouais, t'es protégé. Hein. Donc, on va essayer un kill. C'est pas affecté. Ok. Punaise, non. Bon bah écoutez, vu qu'il va perdre son état hypertonique, autant en profiter. Voilà. Est-ce que le croc de glace marcherait à tout hasard? Ouais, ça marche, même si ça fait pas grand chose. Tu vas lui faire un super crâne. Ouais, bon. Et la protection a disparu, ça c'est bon. Par contre, les dégâts que tu me fais, c'est moins bien. Non, 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 non. Ah. Aïe. Aïe quoi. Théo, normalement, tu peux, si je me trompe pas. Tiens, le sort rappel, j'ai une chance sur deux, je vous rappelle que ça marche. Et ça marche, super. Allez Hendrik, finis-le. Non? Bon bah alors, vengeance! All is well that ends well. Super. Bon, j'imagine qu'il faut prendre le petit puits. Coucou toi. Alors, bon, visiblement rien de particulier sur la carte. Est-ce qu'il y aura des ennemis? Oh, c'est fou, n'empêche les ruines, quoi. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression que le château vient d'être détruit. C'est assez paradoxal, le feu comme ça, avec la végétation qui a quand même bien poussé. Ça fait un contraste assez bizarre. This place.
place was in ruins the last time we came. But this... this is something else. Where was I? Ah, yes. It should be around here. Would you boys do me a favor and shift this... Well, don't just stand there, darling, if I'm getting my hands dirty. Where does this stairway lead, Lord? To an underground passage that runs beneath the castle. It was meant to allow the royal family to flee. Right. Let's get in there and see if we can find... Ben, finalement, ça a pas été très efficace, hein. Sauf rebondissement inattendu, ça a pas été très efficace. Alors, ok, c'est pas un grand donjon, par contre la grande arène au bout, ça, ça signale un combat. L'effet sombre de la zone est vraiment bien retranscrit, je trouve. Parce que même moi, enfin je sais pas vous sur l'écran, mais même déjà moi sur la télé, je vois rien. Quoi. Là. 4 élixirs du sage. Qu'est-ce que ça fait les élixirs du sage? J'ai des trucs à vendre moi. Ah non, c'est des trucs... ok. Élixir du sage, 90 PM. Bah tu sais quoi? Utiliser. Voilà. Des fois qu'il y a un combat de boss, on sait jamais. Si c'était le roi, et que la voix qu'on a entendue, c'était la voix de la mère. Something tells me he's got other things in mind. Allons-y! C'est pas considéré comme un gros boss de toute façon vu la musique. Mais c'est pas grave, allons-y! Ça me fait penser, j'oubliais que j'avais cette attaque. Ouais, pas mal. J'avais oublié que j'avais cette attaque. Aïe! Épée de lumière de l'éclairé! Oh! 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 Ah, ah oui! Elle était pas comme ça la première fois que je l'ai utilisée cette épée! Je pensais qu'elle fonctionnait toujours comme dans l'entre-deux, mais apparemment pas du tout. Intéressant. Intéressant, intéressant. Mega Bonga. Pas mal. Mais du coup, il frappe tous les ennemis en plus, hein. Ouais, ouais, d'accord, ok. Bon, mais c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Bon, Hendrik, tu vas te réveiller un jour? Allez, il est déjà dans le jaune, ça devrait être bientôt réglé. Et tout ça sans Hendrik. Bon, j'ai rien...
Ouais, non, tout ça sans Hendrik, on peut le dire, parce que maintenant il dort. Allez, c'est pas grave. On n'est plus à ça près. On va y arriver. Ah bah quand même, tu daignes prendre part au combat. Allez, soigne-nous, parce que là, comment te dire que il fait quand même des dégâts, ce chevalier. Bon, et mon perso, il compte pas se réveiller un jour. Voilà. Ouais, bon, c'est pas fou. Maintenant, les mobs me donnent autant. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est le roi. Eleanor, but that's the old queen's name, which would make you Erwin, last king of Dundrasil. Just as I thought. A great man, and a fine warrior too, as you've just witnessed. And, most importantly of all, your father. I'm sorry that you... What happened to you, Erwin? Come on, laddie. Look at me. Ouais, c'est un esprit. What in the... Long have I waited for a kindly soul to free my restless night. The voice from the dream. You are correct, of course. Before you kneels Erwin. All those long years ago, on that darkest of days, he fought. But with time, that light has waned. And all that remains is the tortured soul you see before you. I beg of you, help him, free him from his nightmare. The voice, it's gone again. Who is she? That'll have to wait. Erwin here needs her. But what are we supposed to do to him? En faisant un câlin à papa? Non? Cette douleur, cette détresse, tu m'as promené Léonore, mon Farès. Tu as tout détruit, je ne te rentrerai jamais. Et le roi Irving continue de mentionner approcher. Oui? En s'approchant, Farès est soudain paralysé par le vide intérieur de son père.
Ah bah dis donc, est-ce qu'il aurait été en quelque sorte emprisonné entre la vie et la mort avec le mob qui est le chef des monstres qui ont attaqué Fordrasil? Est-ce que ce serait ça? It is a great honor to be invited to celebrate this most... The birth of your son and heir is a source of great joy and happiness to us all. Thank you. Thank you. Aye, this is a momentous day for Dundrasil. I am truly humbled to be lucky enough to celebrate it with you all. My dear Sultan, King Gustav, allow me to welcome you both to Dundrasil. You honor us with your presence. The honor is all ours, Gustav. Truly, it has been far too long. A thousand thanks for preparing such lavish festivities. Though, of course, we are not here merely to celebrate. Today's colloquy of kings shall determine the fate of Erdrea for generations to come. I, for one, mean to see that my people's interests are well represented. It is the first time the rulers of the four kingdoms have ever gathered under one roof, you know. But the reason itself is a momentous one, of course. The birth of an heir to the title of Lum. Indeed it is. Thank you once again for agreeing to meet so readily. Now, I have some final preparations to make before we convene the colloquy. I will come and fetch you when we're ready to begin. Guards, I don't suppose any of you have seen King Carnelian. Yes, sire. King Carnelian is walking the grounds with Lord Robert, sire. Intéressant. Le souverain des 80 hommes réunis pour un grand sommet, il y aura une doute, un feu d'artifice. Je serai au premier rang. Ok, on le connaît pas ce roi. Intéressant, intéressant. Alors, allons visiter un... Ah bah non, d'accord. N'allons pas visiter le château de Fordrasil. King Carnelian, Lord Robert. I will be convening the colloquy shortly, if you'd like to make ready. Lord Robert informs me that the boy bears the mark. That he is the Luminary Reborn? That's right, aye. I've decided to present him to you all at the colloquy. The sight of so many people gathered to celebrate his birth has brought home to me how important it is. Save it for the meeting, Owen. Don't take it to heart, laddie. The fate of all Erdrea hangs in the Luminary now. Not everyone's going to be happy about that. Right, it's nearly time. Why don't you go and fetch the wee one from El... Fort bien. Est-ce que je peux visiter ou est-ce que je suis obligé... Non, je peux visiter. Ouais. Espèce de salle de repos pour les gardes, peut-être? Ah, c'est stylé ça, la colonne avec la fontaine là. C'est très stylé, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah, hey, il était stylé le château de Fordrasil. Il était stylé, très stylé même. D'accord. Salle de repos, et là un espèce de garde-manger. Ah, j'aime beaucoup cette colonne là, c'est original, j'aime bien. Ça change de la traditionnelle fontaine qu'on voit au centre du hall d'entrée des châteaux. Très stylé.
Non, là j'en viens. Hop, c'est par là-bas, il faut remonter. Faut remonter. Donc remontons. Alors, les appartements d'Eléonore doivent être là-bas. Là, il y a de quoi sauvegarder, ce qui est étrange. Et là, c'est quoi? Une espèce de terrasse, j'imagine? La porte s'ouvre pas. Ok. Papa! Attends-moi, papa! C'est moi! C'est ton petit-fils! Regarde toute la lumière que j'apporte! Je suis l'éclairé! Oh, salle du trône. Elle est classe! Elle est classe, la salle du trône. Somme toute assez classique, mais classe quand même. Alors, les appartements d'Eléonore, où sont-ils? L'appartement de Messire Théobert. Il aimait bien la lecture, visiblement. Et pas de lit? Ah si. Ah, très jolie la chambre, j'aime bien. Très très jolie. Tiens, c'est marrant ça. Je peux vraiment prendre des trucs dans le... Ouais, je le prends. Depuis le jour où j'ai cédé le trône au jeune Irvin, il s'est dévoué corps et âme pour faire de Fandrazi le plus grand royaume qui soit. Il n'est pas issu d'une lignée royale et n'a jamais été élevé comme tel. Au départ, je dois bien avouer que j'ai eu, tout comme mes sujets, des réserves quant à sa capacité à régner, mais je sais désormais que j'ai fait le bon choix. Il a rapidement gagné leur confiance et leur respect ainsi que le mien. La nation entière est unie derrière lui. Ma chère Eleonore a su trouver un époux merveilleux. En ce qui me concerne, je vais donc pouvoir profiter de ma retraite sans avoir à me soucier de quoi que ce soit. D'accord. Intéressant. Intéressant, intéressant. Oh, he's so tiny. Can I touch him, Lady Eleanor? I promise I'll be careful. I think he likes you, Jade. He wants to play. He's a very special boy, you know. They call him the Luminary. People have all sorts of hopes, but I just hope he grows up to be like his father. That he can help people to overcome their problems. I hope he grows up to be nice and kind like you, Lady Eleanor. King Erwin! The colloquy's about to start, Eleanor. Will you hand me the wee one? Right, wee man. Let's go and talk to some scary old men, shall we? Don't worry. Daddy will look after you. Oh, Erwin. You don't need to hold on to him so tight, you know. Let the poor boy breathe. Would you look at it thundering away out there? And on such a special day, too. Nothing to worry about. We'll keep you safe no matter what, won't we, wee man? And what about me? Hey, you don't need me to protect you, Jade. You've got King Carnelian. Your dad's a force to be reckoned with and knows. Right. We better get this meeting started. I'll see you later, Eleanor. Good luck, both of you. Oh, c'est triste, vous imaginez, il est là, il a ses parents devant lui et il peut rien faire, quoi. Le livre d'Erdwin. Le chant du commencement, don de l'arbre montre municipal. Bon, les chants, on s'en fiche. Oh, c'est tellement triste, quoi, ce,
ce pauvre gosse. Oh là là, il y a quelqu'un. Tu as raison, pardon ma chérie, juste... Ah, je sais qu'il y a dans notre petit faré de chocolat, mais c'est comme si je le sentais encore ici. Je serai ta grande sœur en jouant. C'est mignon. Oh là là là. Alors le coloc. Ça pue trop. Ok, merci. Alors allons-y. J'y suis. Il est où le coloc? N'évoque pas le livre d'Erdwin maintenant, je n'arrête pas d'y penser. À moins qu'il soit redescendu dans la salle d'en bas. Ouais, ça doit être ça. Ok. Il est redescendu dans la salle des festivités, alors allons-y, la salle du banquet. Allons-y, allons-y. J'imagine que les choses vont bien dégénérer. Et dans l'idée, il va falloir aider. J'imagine qu'il va falloir aider le roi à. Face à un combat quelconque contre un mob. Je sais pas trop où, mais. Ça doit être la porte que j'ai pas pu ouvrir. Ça doit être la porte que j'ai pas pu ouvrir là où se trouvent les trucs. Donc on remonte. Tac. Tac, et c'est là-bas. Voilà, c'est là qu'il y a le coloc. Mais c'est vraiment arrivé alors qu'il y avait tous les rois? This child, he is the one. He bears the mark. There's no mistaking it. Dark One riseth, tree descendeth, luminary, man defendeth, light's mark shineth, hand extendeth. With it, the final poem in the Book of Erdwin. The legends tell us that the Dark One was defeated by the luminary in the Age of Heroes. Bringing eternal but, as I'm sure you haven't failed to notice, monsters walk the land once more. The kingdom of Svardsrust has already fallen at the wicked creature's hands, and King Arnud with it. And now a child has been born who bears the mark, which brings us to a reason for gathering here today. Speak of the Dark One, of monsters running wild, of the peace of centuries crumbling. Now that the luminary is among us, the balance can be restored, the peace can be maintained. You believe that the presence of the luminary will ensure that... Forgive me, Lord Robert, but the Book of Erdwin contains a... It does. The very first poem. Ah bah ouais. Il fallait forcément une prophétie. The gift, first of many, bold, bright, blessed. Thy light doth a shadow cast. Lo, the dark. What are the two of you implying? That the luminary causes the appearance of the Dark One? Without light, there cannot be shadow. Without darkness, the stars cannot shine. This has always been. Darkness and light must coexist. So, indeed, the birth of the luminary may. Oui, mais dans ce cas-là, ça marche dans le. Ça marche aussi dans le sens inverse, hein, cette logique. You dare to imply that my son is somehow the source of our troubles. That the luminary isn't a force for.
certain that he is? Evil does not always take. You must have noticed the sinister glow emitted by Erdwin's lantern of late. What are you trying to... The star sings at night, you know. I have heard it. It sings of Erdrius this... King Gustav is right. Ah, don't you start. Ominous footsteps approach. We all hear them. As the leaders of this world, we owe it to our people to root out even the slightest hint of even when that source is painfully close. Why don't you just come out and say it? You're asking me to kill my own son! My own flesh and blood! Something happened. Not long before the child was born. A great, blinding light shot up from Yggdrasil and set the sky aglow. We saw that same light on the evening he was born. It was shining from the mark on his hand. The child is a force for good. I have never been more certain of anything. He did not give rise to the darkness. Light and dark are not two sides of the same coin. The light of the luminary is a... A rousing performance indeed. Of course, if you had shown even a witless conviction, we would have had no choice but to remove the child. The luminary is the child of Yggdrasil. He alone can bring light to the world. He must be protected. I hope you will forgive us our little test, but we had to be sure how strongly... Les salauds, quoi. Les salauds. I am satisfied. Send him to Heliodor when he comes of age. Ouais, bah, ma première visite à Heliodor, je m'en souviens encore, mon gars. Hein. We must confer upon the luminary the power to... King Carnelian? Everyone, I don't know what to say. Very good. The most pressing item on our agenda is dealt with, and it ended just as I knew it would. Now the matter is settled. Our kingdoms are united in their purpose. Let all be as Yggdrasil wills it. That concludes the colloquy. Now, all that remains is to introduce the... Thank you, King Carnelian. My friends, I'd like to thank you all for coming. Now, the... What is it? You must flee the palace immediately. Monsters! Hundreds! Hundreds of... We're under attack. Everyone, we have to get out of here now. Oui, mais par où? Mais comment faire? Je ne suis qu'une illusion, je ne suis pas ici, comment pourrais-je vous aider? À quoi sert-on de remettre cette vision si je peux rien faire? Ah, c'est la panique! C'est la panique! Lâchez un masque de books bleus et on se retrouve dans le prochain épisode! Ah, panique!